Youyou mes chatons, c'est Caramella qui vous revient pour le vlog numéro... Pardon. 203, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 8 mars. 8 mars, il est 8h15 et je déclenche le vlog numéro 203. Alors attention, c'est parti. Bienvenue mes chatons. Attendez, je pose ma caméra, j'ai mal à l'épaule. 8h15, et oui, et nous sommes déjà debout avec mon kidou, douchés, etc. Nous allons chez le médecin pour 10h, nous partons dans une petite heure, dans une bonne heure, disons. Voilà mes chatons. Pour le généraliste, je vais aller voir pour mon bouton de fièvre, mes dards sur les yeux, voilà, et je vais y amener toutes les crèmes dont j'ai investi de l'argent à la pharmacie. Qu'elle ne me claque pas de la merdouille en ordonnance, surtout que c'est la remplaçante. Alors voilà. Ensuite, nous irons à la pharmacie. Cet après-midi, nous avons le drive, nous irons à Leclerc faire des courses. Ouf, ça me pique le nez. Nous voulons aller voir aussi les Cookéo. Je renvoie mon Cookéo à Amazon parce que il n'est pas connecté et en fait le vendeur avait marqué Cookéo Connect, comme quoi il était connecté. Donc je lui ai marqué que c'était pas correct et il a accepté le renvoi gratuit. Voilà. Parce que nous on en veut un connecté. Voilà mes chatons. Il fait super beau ce matin, mais il fait 2 degrés. Il y a gelé, il faut gratter les voitures, même à 8h15. Voilà mes chatons. Ma petite griotte va très bien. On l'a promenée sur le lit hier soir. Petite mémé. Elle était trop mignonne. Elle se laissait caresser, petit croupion en arrière comme tant. Le dos bien creusé, nous regardait, petite mère. Elle était trop mignonne, ma poupée d'amour. Allez, je vais me mettre sur les réseaux sociaux. Continuez à répondre à vos doux messages. Hier soir, j'étais à jour. Comprenez bien que je ne suis pas maquillée pour que la docteure, ça me brûle les yeux, voit bien les dartres et l'herpès. Voilà mes chatons, enfin le bouton de fièvre. Voilà, je vais me soigner pour mon état grippal. Et puis on y va aussi pour l'état grippal parce que dans 5 jours, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, dans à peine 6 jours, je suis opérée, donc il faut que je sois d'aplomb. Je vous dis à tout à l'heure mes chatons, je vous emmène avec nous. 9h30 mes chatons, 9h25, bah c'est parti, on va chez le médecin. Après on ira à Boulanger, à Leclerc et au Drive. Eh oui, tout ça. Et la pharmacie bien sûr. Non, on n'est pas prêt de rentrer, moi je vous le dis. À tout à l'heure. On vient de s'arrêter, déposer le Cookéo que l'on renvoie à Amazon. Voilà, parce qu'il n'est pas connecté alors que le monsieur avait marqué Connect. Voilà, et ensuite on va chez le docteur, 9h35. 10h moins le quart, et voilà, nous sommes arrivés avec mon kidou. C'est parti, on met les masques et on va voir la docteur. Mes chatons, nous sommes sortis de chez le docteur, elle était très bien. Le docteur Hélène Nam, remplaçante, une petite vietnamienne, très gentille, hein. J'ai adoré. Il est 10h30, nous allons à la pharmacie. Moi, c'est une bronchite avec une rhino. Et Kidou, c'est une rhinotrachéite. Voilà. Sinon, c'est trop tard pour le bouton de fièvre. Il est poussé, donc il n'y a plus rien à faire. Ça ne sert à rien de mettre de la crème. Et là, c'est de l'eczéma sur les yeux. Ce n'est pas à cause du maquillage périmé ou je ne sais quelle connerie qu'on entend dire. Non, c'est de l'eczéma. Voilà mes chatons. Donc, pharmacie, et puis ensuite, boulanger, Leclerc Drive, Leclerc, etc. C'est parti. Alors mes chatons, nous revenons de la pharmacie. Il est 10h50, nous allons chez Boulanger. Un petit coup chez Boulanger, voilà. Mon kidou, il a juste eu le sirop qui n'était pas remboursé. Moi, j'ai des antibiotiques, mais ce n'est pas automatique. Vu que c'est une bronchite, ah, j'ai tout un hic. Voilà mes chatons. Donc j'ai pas mal d'antibiotiques à prendre matin, midi et soir, il me semble.
pour me remettre d'appoint parce que je suis opérée la semaine prochaine. Allez, oh, il fait chaud dehors. Il fait bon, hein, mais enfin, le vent est frais, il faut faire attention, mais le soleil est chaud. Il fait combien? 14. Il fait 14 au soleil. Il fait bon, hein. Allez, c'est parti, on prend la rocade. Et voilà, mes chatons, nous voilà arrivés à Boulanger. Et vous avez là, ça s'appelle Money Pug. Pig, Money Pig. En fait, ça, je vous avais déjà filmé il y a longtemps, hein, plusieurs années, 2-3 ans, dans le magasin. C'est un magasin américain. C'est extrêmement cher. Nous, on va magasin boulanger. On va voir les Cookéo. Allez, les courses sont faites. Je vous montrerai tout ça dans le retour de course. Là, nous arrivons au drive. Et tout est plein à craquer. C'est parti. Et après, on rentre. Je suis exténuée, j'ai mal au cœur. Et voilà, il est midi 5, nous sommes rentrés. Il est temps, on est exténué. Donc voilà toutes les courses. Hop, 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 mon kilo est... Bah prends, c'est le sac de médicaments. Oh mon kilo, je ne sais pas s'il y a que les médicaments, je ne sais pas. Tout ça, ce sont les courses. Voilà, avec le pack d'eau. Voilà mes chatons. Donc, allez, c'est parti. Je vous fais le retour de course et après... Je vais dans la salle de bain, me faire une brin de toilette, me mettre en décontracté et on mangera tranquillement mais sûrement. Et après, je me reposerai, vraiment. Mes chatons, il est, je ne sais pas, 13h20. J'ai pas mangé encore, j'étais en visio avec ma sœurette. J'ai mis de la crème sur les lèvres, hein, veuillez m'excuser. Il y a les fifilles là dehors. Les petites poupoules, elles attendaient des graines de mon voisin mais il ne leur en donne pas. Donc voilà, on a un Cookéo pour faire des économies d'électricité parce que des fois je cuisine 3 heures non-stop et la plaque à induction, bonjour, comment ça pompe? Et au prix de l'EDF maintenant, bonjour. Donc on a le petit couvercle, 5,99€, c'est le truc que j'ai racheté en surplus. Le petit panier vapeur, on va tout faire dans le Cookéo. On a pris le Cookéo Connect de chez Moulinex. Alors, il n'est pas gratuit, hein. Je n'ai pas de partenariat. Hein. Et ce qui est offert, 90€, c'est l'Extra Crisp. Voilà, pour faire du poulet, des gratins, des frites et des gâteaux. C'est génial. Donc, on a 90€ offert. Et on a pris le 6 litres. Et c'est ce qui m'a permis de faire ce que mon kidou a mangé encore à midi. Voilà, ceci. Saucisse, haricots verts à la tomate. Vous avez la recette dans mon vlog dernier. Voilà le 202, si ma mémoire est bonne. Là, je vais manger avant de prendre mes antibiotiques et mon doliprane. Je sais pas ce que je vais manger. À suivre. Eh bien, mes chatons, voilà. J'ai petit déjeuner. J'ai pris mon doliprane et... mon antibiotique. Tout à l'heure, faudra que je passe un petit coup d'aspirateur. Ça fera du bien parce que là, c'est cochon. Il y a quelques mie de pain, quelques morceaux de paille, donc j'aime pas. Je vais me mettre sur mes réseaux sociaux, vous répondre. Il faudrait que je passe l'aspirateur et que je fasse les comptes aujourd'hui. Voilà, parce que je les ai pas fait hier, donc il serait temps de les faire. En plus, avec l'investissement du Cookéo, il le faut. Allez, c'est parti. Je me mets sur les réseaux sociaux. Et ensuite, une petite sieste, parce qu'il le faut. La médecin m'a dit qu'il fallait qu'on se repose. Et que j'avais une sale tête, et elle a bien raison. Et puis, on fait les comptes et on passe l'aspirateur. Il fait super beau. Il fait froid, mais il fait beau. Oh, il y aurait que moi, tiens, j'irais me promener. Mais bon, j'ai pas le droit. Faut surtout pas que j'attrape froid avant l'opération. Sinon, alors là, c'est mort. Il recule l'opération. Et moi, je ne veux pas. Je veux être opérée de suite. Le 14 mars, point barre. Tout ou rien. Et chatons, il est exactement 18h. Ça fait une demi-heure que je suis levée. J'ai dormi toute l'après-midi comme une pierre. Et ben, ça m'a fait du bien. Vraiment. Je voulais passer l'aspirateur, mais du coup, demain, aspirateur, compte et montage vidéo. Demain après-midi, je ne dors pas. Non, non, non. Peut-être une heure. Une heure et demie, pas plus. Voilà mes chatons. J'étais en visio avec ma sœurette, elle est en train de faire le ménage. Et là, il fait un temps exécrable. Du vent, du froid, bref, voilà. Il est 18h, bon,
Moi, je vais manger peut-être haricots verts, saucisse à la tomate, avec un petit peu de riz. Et puis, mon Kidou, tu veux quoi? Sauté de porc ou quelque chose? Du poisson? Je vais voir ça. Je vous dis à tout à l'heure. J'ai mis une cacahuète à ma griotte tout à l'heure, à midi. Elle l'a pas prise. Non, 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 non. Elle boude ou alors elle dort. Elle est comme sa mère, elle est fatiguée. On vous souhaite un excellent appétit. Il est exactement... je ne vois pas, 18h30. Allez, et ben moi, à midi quand j'ai petit déjeuner, ce soir c'est saucisse à la tomate avec merguez à la tomate, haricots verts et riz, un kiwi, et mon Kidou il finit le poisson avec un petit peu de tagliatelle et du chou-fleur, une pomme et un yaourt. On vous souhaite un excellent appétit. Encore désolé pour ces jours de maladie et donc peu divertissant. Je vous fais des bisous et puis peut-être que vous verrez Griotte si elle daigne montrer le bout de son nez. Là, elle n'a toujours pas pris sa cacahuète. Non, toujours pas. Dès que j'ai fini de manger, je m'occupe de ma Griotte. J'y change son sable, son eau, j'y mets des petites gâteries neuves, etc. Du brocoli, de la pomme, des carottes, bref, la totale, des bonnes choses. Bon samedi matin mes chatons, il est 10h pétante, je suis levée depuis une demi-heure. Je me suis levée à 9h30, j'ai pris mes médicaments, tranquille, je regarde dehors, les petites poules, je me suis soignée. Ça y est, ça se soigne. voilà, et puis là, bah, je vais me mettre sur les réseaux sociaux. Et puis avant là, je vais passer l'aspirateur, c'est parti. Oh, juste l'aspirateur, vous savez mon Roventa que j'ai acheté moi-même sur Amazon à... Pardon. À 390€. Voilà. Allez, c'est parti. Je passe l'aspirateur. Ça fera du bien. Je repasserai un petit coup ce soir vers Griotte parce que ma petite Griotte, je la fais à fond ce soir parce qu'à la semaine prochaine, je serai opérée de l'épaule. Donc comme ça, tout sera nickel, impeccable. C'est-à-dire que je change le foin, le chanvre, etc., etc. C'est parti, on passe l'aspirateur. Et voilà, c'est fait. 10h15. Ah, ça fait du bien. J'aime bien quand les sols sont bien propres. Voilà mes chatons. Sinon, je viens d'allumer mon ordinateur pour cet après-midi. Voilà, parce que j'aurai cette vidéo à monter, la vidéo de lundi, la vidéo de dimanche, de demain. Donc, voilà. Demain, c'est l'anniversaire à mon papou. Le 10 mars, c'est un poisson. Allez, je me mets sur les réseaux sociaux et puis je vous dis à tout à l'heure. J'attends, je suis en train de faire à manger, il est midi passé. Oh là là, il fait un vent, il fait 14, mais alors un vent. Le petit monsieur du dessous vient de donner à manger aux petites poules. Hop. Des graines spéciales poules. Voilà, parce qu'il nourrit les petits oiseaux aussi, comme vous pouvez voir. Petite mémère. Et il fait un vent. Il doit pas faire... Enfin, le vent doit pas être chaud. Hein. Hop. Pendant ce temps-là, je suis en train de faire cuire des pâtes. Voilà. Et puis mon Kidou, il va manger saucisse haricots verts à la tomate. Voilà mes chatons. Avec un morceau de fromage, une orange et un morceau de pain aux céréales. Et moi, pas petit déjeuner. Hein. Yaourt au commun. Au pruneau, un kiwi, ils sont très mûrs, des graines de chia que j'ai chez Action et des princes au chocolat bien sûr. Voilà, et ensuite je ferai les comptes après manger. Donc c'est parti, allez. Donc voilà ce qu'on va manger, oui. Et moi ce soir je mangerai les... Bah, je ferai l'inverse. Je mangerai les saucisses haricots verts avec du riz cette fois-ci parce qu'il y a du riz à finir.
Et puis, ou alors on finira demain avec des poissons. Ouais, c'est ça, plutôt. Et puis un kiwi. Voilà mes chatons. Bon appétit. Allez, midi et demi, mes chatons. La vaisselle est faite, le lave-vaisselle tourne. Eh ben, je vais faire les comptes. C'est parti. On prend les fluos, on prend les crayons rouges. J'ai même pas fait les comptes depuis le 29 février, date où on est parti sur Vienne, voilà. Après, on est tombé malade, retombé malade. Et là, il est temps de les faire parce que j'ai même pas... D'ailleurs, faut que tu regardes si t'as le loyer, mon kidou. Allez, c'est parti, là, il y en a pour un petit moment. On fait les comptes. Calculatrice, c'est indispensable. 14h mes chatons, j'ai mis 1h30 pour faire les comptes, le gros bordel. En plus, on est toujours embêtés avec mon logis, ils nous ont mis la pénalité. Vous savez, la fameuse pénalité 7,62€ le premier mois, donc là c'est bon, c'est foutu. Deuxième pénalité, ce sera 15€, troisième pénalité, ce sera 30€ par mois, etc. C'est x2 à chaque fois, jusqu'à temps que, soi-disant, on donne nos documents, mais ça a été donné en septembre 2023, pour ceux qui suivent nos vlogs. Donc là, lundi, midi, je vais pour mon IRM, si c'est fermé lundi, j'irai mardi, et ça va gueuler, hein, parce que j'ai fait les emails, j'ai transféré de nouveau les documents comme il fallait, et... Mademoiselle Ababa n'a rien fait, donc et Madame Afoufa non plus. Donc, ce sont leurs vrais noms. Hein. Donc, bah, ça va gueuler. Hein. Là, j'ai envoyé un email comme quoi, si rien n'était fait et qu'on continue à nous payer, à nous prélever des pénalités, en plus des loyers excessifs, et ben, j'irai plus haut, voir les responsables. Voilà. Parce que ça va bien de prendre les gens pour des imbéciles, alors que le travail a été fait il y a un an. Bref, j'ai allumé mon ordinateur, ça y est, c'est bon. J'ai la batterie qui commence à tomber en panne. Il n'arrête pas de me mettre batterie faible alors qu'il est branché. Je me mets un petit coup sur mes réseaux sociaux et après, je vais faire mon retour de course, faire ce vlog-là et la vidéo de lundi. Eh bien, mes chatons, je vais clôturer le vlog-là. J'espère, malgré tout, malgré sa banalité microbiale... Ça veut rien dire. Il vous aura plu. Mon kidou est parti chercher des bananes et quelques fruits à grands frais parce qu'il a des il a des crampes aux jambes et donc le docteur lui a dit de manger des bananes et j'en ai pas acheté à Leclerc. Donc il est parti à grands frais. Je lui ai donné ma carte bancaire et les papiers de la voiture. Voilà, je suis pas allée avec lui parce que comme il fait froid. Je ne veux pas rattraper la crève avant mon opération de jeudi. Je reste au chaud. Sur ce, je vais clôturer le vlog, me mettre au travail et j'ai 3 grosses vidéos à monter, mais aussi une à filmer et à monter. Donc c'est parti. Moi je vous embrasse fort, je vous dis excellent week-end, faites attention à vous. Et puis, eh oui, lundi c'est la reprise, donc profitez bien. Excessivement de votre week-end, de vos proches, reposez-vous, etc. Voilà, parce que la reprise, c'est lundi. Je vous embrasse fort, je pense très fort à vous, et puis je vous dis à très vite. Bisous mes chatons.